Histoire pour les oreilles. Il était une fois dans la grande Afrique un petit garçon qui se promenait. Il s'appelait Zoyo. En marchant, il se tenait à deux mains son petit ventre rond parce qu'il avait très mal. Il avait mangé beaucoup trop de cacahuètes. Se promener ici dans cette grande Afrique, ce n'est pas tout à fait comme par ici. Il n'y a pas de jolis parcs avec des pelouses et des statues, pas même des petits sentiers courant dans les bois. Non, là, tout autour du village, c'est la brousse avec ses herbes coupantes et ses épines, ou bien la forêt avec ses lianes et ses marécages. Et tout ça, naturellement, pleine de bêtes plus féroces les unes que les autres. Zoyo trottinait tranquillement, tenant à deux mains son petit bedon sans faire attention à rien. Et il se retrouva au milieu de la brousse. D'abord, ça se passa très bien. Il y avait une piste entre les herbes, on pouvait donc trotter sans encombre, tous les serpents dormaient au frais et toutes les bêtes étaient cachées. Tout à coup, voilà qu'on entendit par derrière un grand bruit. Zoyo se retourna et fit la grimace. Entre lui et le village, il y avait maintenant tout un troupeau de buffles. Les buffles, c'est très gentil quand ça mange l'herbe tranquillement. Mais que la moindre chose les mette en colère, ça vous arrive dessus aussi vite qu'un train rapide et ça vous écrase tout net. Il n'était donc plus question de revenir droit au village. Zoyo lâcha son ventre et se gratta la tête. Devant lui s'ouvraient trois chemins. Le premier menait à la rivière. « Si je traverse la rivière, le crocodile me mangera. » Le second menait à la forêt. « Si j'entre dans la forêt, les singes me casseront la tête à coups de noix de coco. » Et le troisième menait à la montagne. « Si je grimpe sur la montagne, le lion qui rôde me mangera. » Mais le troupeau de buffles se rapprochait. Zoyo commençait à avoir très peur. Mais soudain, une voix cria. « Si, 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 si !» C'était l'oiseau moqueur perché sur un buisson. « Mais pourquoi tu dis ça ?» cria Zoyo en se retournant, fâché. « Pour dire comme toi !» dit l'oiseau moqueur en se dandinant. « Si, 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 si !» Oh, et puis zut ! Et il partit tout droit sur le chemin de la rivière et naturellement, le crocodile était là. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?»« S'il vous plaît, je voudrais passer la rivière. »« Tu passeras la rivière si tu m'apportes à manger un petit singe de la forêt. » Zoyo revint donc en arrière et arrivé à l'endroit où les chemins se croisent, il commençait vraiment à avoir peur. Si tu passes à travers les herbes, le serpent rouge te piquera. Oh, zut, tu m'embêtes, oiseau moqueur. Et il partit tout droit sur le chemin de la forêt. Naturellement, les singes étaient là. C'étaient des babouins avec un museau pointu et toute une crinière grise sur la tête. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Demanda le grand-père babouin. S'il vous plaît, je voudrais un singe pour le donner à manger au crocodile. Nous te donnerons un singe si tu nous apportes la queue du lion de la montagne. Et Zoyo repart à l'endroit où les chemins se croisaient et il avait de plus en plus peur. Si, 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 cria l'oiseau moqueur. Si, si, si tu sautes de roche en roche, le vautour te crèvera les yeux. Si, 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 si. Oh, et puis zut! Et Zoyo partit tout droit sur le chemin de la montagne. Mais en route, par précaution, il cueillit un gros fagot d'épines qu'il façonna en boule et ramassa une pierre coupante. Et naturellement, le lion était là. Qu'est-ce que tu viens faire par ici? S'il vous plaît, je voudrais couper la queue du lion pour la donner au singe. Couper la queue du lion, ça, par exemple. Et furieux, le lion se jeta sur Zoyo. Mais juste comme il allait l'atteindre, Zoyo lui lança dans les pattes la boule d'épines et les quatre pattes du lion s'empêtrèrent dedans. Alors, zip, Zoyo coupa la queue du lion avec sa pierre coupante et revint à l'endroit où les chemins se croisaient. Hé, psst,
Psst, psst, cria l'oiseau moqueur. Tiens, tu ne dis plus si, 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 maintenant. Pas la peine. Regarde, pendant que tu te débattais bravement de tous les côtés, au lieu de rester ici à trembler comme une feuille, les buffles sont partis. Le chemin est libre. Sauve-toi vite. Zoyo ne se le fit pas dire deux fois. Il dévala le sentier à toute allure vers son village. Oh oh oh! Oh oh oh! Regardez! Crièrent les hommes du village. Zoyo a coupé la queue du lion. Oh oh oh! Zoyo est un brave! Zoyo sera un grand chef! C'est un grand guerrier! Oh oh oh! Zoyo mettra la queue du lion sous son casque de guerre! Mais Zoyo ne les écouta pas. Il était tellement content d'avoir retrouvé sa maman. Il préféra retourner jouer dans la cour de sa maison. Et sa maman, elle prit la queue du lion pour chasser les mouches, tout simplement. «